Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Dieu vous bénisse. May God bless you. Thank you. Alléluia. On peut s'asseoir. You can be seated. On va continuer le message sur les offrandes, sur les sacrifices. We are going to continue the message on sacrifices. Je vais essayer de clôturer ce chapitre là aujourd'hui. I will try to close the chapter today. Et j'imagine que dans les semaines à venir, ceux qui prêchent aussi la parole dans l'église. And I imagine that the week to come, those also preach the word in the church. Ils auront aussi à dire ce que Dieu leur a dit. They are also going to say what God told them. Par rapport aux sacrifices. In respect to sacrifice. Parce que je n'ai pas pu tout dire. Because I couldn't say everything. Par contre, dans les prochains messages, j'aimerais que l'emphase soit mise sur les exemples de sacrifices qui ont été faits. I would like that the subsequent messages emphasis should be laid on sacrifices that were made in the Bible. I didn't title the chapter the sacrifice of Abraham, le sacrifice de la femme dans le temple avec ses petites pièces de monnaie, the sacrifice of the widow in the temple, her widow's mite, de David, the sacrifice of David, d'Abel, of Abel. Que vous mettiez l'accent sur les exemples et les types de sacrifices. I want you to pay special attention to that. Quand on a clôturé la dernière fois, when we closed the last time, on parlait des critères, donc comment Dieu veut que nos sacrifices soient faits. We're talking about criteria, how God wants our sacrifices to be made. On a vu qu'il fallait être sensible. We said we have to be sensible. Ne pas toujours attendre qu'on te demande. Don't always wait to be asked. Quand quelqu'un, tu vois déjà quelqu'un dans une forme de souffrance, when you see somebody in suffering, c'est une manière que Dieu t'appelle à pouvoir aider la personne. It's a way God is calling you to help the person. Voilà. Donc n'attends pas toujours qu'on demande. So don't always wait to be asked or on be told. On demande. To remember that they are asking. Donc chaque année, tu sais qu'il y a des choses qu'on a besoin dans la maison de every Dieu. Year, you know there are things that they need in the house of God. Tu dois pouvoir laisser Dieu toucher ton cœur. You have to allow God to touch your heart. J'avais aussi dit la dernière fois que pas parce qu'on a donné aujourd'hui que les autres départements doivent souffrir. I said last time that it's not because we give today that other departments of the church have to suffer. On avait lu Nombre 29 verset 6. We read Numbers chapter 29 verse 6. Donc c'est pas parce qu'on a donné aujourd'hui que demain on sera pas encore capable. It's not because we gave today that tomorrow we'll not be able to give again. Et qu'on ne doit pas utiliser la dîme comme un remplacement de quelque chose pour apaiser notre conscience. And that we shouldn't use our tithes for to appease our conscience for something else. Parce que dans nos sacrifices, il y a la dîme. Because in our sacrifices, tithes à part. Il y a les offrandes à part. We have offerings apart. Il y a la libéralité à part. We have liberalities apart. Il y a ce qu'on donne aux pauvres à part. That we should give to the poor is apart. Et il y a les prémices à part. And we also have first fruits. Et nous devons donner nos prémices à Dieu. And we have to give our first fruits to God. Je bénis Dieu parce qu'on n'a pas tellement prêché sur les prémices dans l'église. I thank God because we haven't preached enough on first fruits. First fruits in the church. Et la plupart de temps, nous savons c'est quoi. But most of the time, we know what it is. Et dernièrement, j'étais content. Deux personnes sont venues nous voir. And lastly, I was happy because two people came and saw us. Nous m'a dit, pasteur, vraiment, quand j'ai commencé à travailler l'année dernière, j'ai pas donné mes prémices à Dieu, donc mon premier salaire à Dieu. So one sister came and saw me. I said, last year I started working. I didn't give my first fruit to God. À cause de toutes les factures qu'il fallait payer. Because of all the bills I had to pay. Mais je sens vraiment dans mon cœur d'être en règle avec Dieu. But I feel in my heart that I should be at, in order with God. Mais il y a toujours les factures à payer. And there are still other bills to pay. Je lui ai dit, ok, dans ce cas, dans chaque paye que tu reçois, enlève un petit montant, même $50. Mets de côté à chaque paye jusqu'à ce que ça atteigne ce montant-là. Ok, I told her okay, maybe each pay you take put aside $50 until you reach the amount. Et une autre personne qui est venue avec un gros montant de presque $1,000 parce que ce sont mes prémices. And somebody also came with almost $1,000 said these are my first fruits. J'ai béni Dieu parce que c'est pas sur les choses nous tout ce qui concerne l'argent on n'aime pas trop insister pour que ça ne devienne pas comme. I thank God because anything that concerns money we don't like to insist because I don't want problem with people. Mais j'ai vu que quand même que il y en a qui connaissent la parole but et qui se soucient de le faire. But I see that there are others who understand and they are worried to do it. Peu importe le montant à donner. No matter the amount to give. Je me souviens il y a quelques années de cela. I remember some years ago. Un frère est venu à la fin de l'église. Il tirait sa femme. Il dit tu vas venir ici. La femme ne voulait pas venir. A brother came dragging the wife that you are going to come here because she didn't want to. Il dit tu vas venir. Il a tiré jusqu'à mon bureau. And drag her up to my office. Comme ils avaient l'habitude de se bagarrer. I said so he couldn't wait after the church. Is he here that he's going to happen? He said he is going to come here. Jusqu'au bureau. Up to the office. Je dis c'est quoi? I said what is it? Il dit pasteur, elle a ses prémices, elle ne veut pas donner ses prémices. That she has her first fruit, she doesn't want to give it. Elle a commencé à pleurer. She started crying. C'était plus de $1,500. It was more than $1,500. Tu vas donner les prémices? Elle a pleuré. She cried. J'ai dit vraiment, on va manger ton argent, mais laisse-moi pleurer avec toi. I said we are going to give your money. I need the money. Amen. Donc il y a les prémices aussi qui sont nos sacrifices. So there are first fruits are also our sacrifices. Voilà.
Et j'ai encore dit l'autre dimanche que Dieu peut nous demander même ce qui nous semble impossible, ce qu'on pense qu'on n'a pas. And at times I said, God can even ask us what we think we don't have. Mais dans le désert, il a demandé au peuple d'apporter les peaux de dauphins. And in the desert, he asked them to bring the skin of dolphin. Il n'y a même pas d'eau pour boire. Ils ont failli tuer Moïse. There's no water to drink in the desert. They almost killed Moses. Ils allaient trouver le fleuve pour prendre les dauphins jusqu'à tuer. Where jusqu'à they prendre water la peau. For a dog to take the skin. Mais la Bible dit que là où est ton trésor, là c'est ton corps. But the Bible says where your treasure is, your heart will be there. Amen. Amen. Et en cela j'ai dit. And in that I said. Que Dieu veut toujours voir l'état de ton that cœur. That God always wants to see the state of our heart. La même manière que si tu as un problème physique, tu vas te battre pour résoudre le problème. In the same way when you have a physical problem, you are going to fight to resolve the problem. Mais aujourd'hui je n'ai pas l'argent. You can say today I don't have money. Et si tu entends que ton père ou ta mère est mort, tu vas partir. If you hear that your mother or your father is dead, you are going to go. Tu vas partir. If he's dead, you are going to mais go. Mais pour la vie c'est difficile. But for life is very difficult to live. De la même manière que tu vas faire les équations, so in the same way that you're going to do the equations to go. Tu peux aussi voir que pour les projets de God also wants to see that the project of church in the church. Tu fais les mêmes équations. That you do the same equations. Parce que j'ai réalisé qu'en fait Dieu, comme on a lu, Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous lui donnons. I realize that from what we read, God doesn't need all that which we think. Quand Dieu nous demande de faire les sacrifices, when He asks us to make sacrifices, en fait c'est une alliance que Dieu veut faire avec nous. It's a covenant He wants to make with us. Afin nous de nous bénir. So that He's going to bless us. Parce que le royaume est basé sur des principes. Because the kingdom is based on principles. Le premier principe c'est de donner. The first principle is to give. Il a tant aimé son fils. He loved his son so much. Il n'a pas gardé son he fils. He didn't keep his son. Il a donné he son gave fils. His son. C'est la base du royaume. That is the base Dieu. Of the kingdom c'est of God. C'est de donner. Is to give. Et quand Dieu nous demande de donner, and when God asks us to give, en fait c'est parce qu'il veut te bénir en retour. It's because He wants to bless you in return. Et il doit s'appuyer sur quelque chose. And He has to lay all on something. Si cette sœur n'avait jamais aidé cette maman, if this sister never helped that mother, si elle était insensible aux besoins de cette if she was insensitive to her needs, qu'est-ce que Dieu allait utiliser demain pour créer what un miracle? What could God use to create a miracle? Mais parce qu'elle a donné, but because she gave, Dieu pouvait ensuite utiliser God ça. God could use that, cette alliance là, that covenant, pour lui donner en retour. To also give her back. C'est ce qu'il dit au psaume 50. That is what he said in Psalm 50. Dis, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. That le sacrifice. Gather my faithful who have done a covenant with me by their sacrifices. À chaque fois que tu donnes, tu fais alliance avec every Dieu. Every time you give, you make a covenant with God. Il dit, et les cieux vont publier leur justice. And the heaven is going to publish their justice. Je suis en train d'être dans un enseignement. Ces derniers temps, je suis en train d'étudier les constellations. This le last moment, I'm trying to read les étoiles. Ça m'a toujours fasciné. It has always fascinated me. De voir comment les éléments sont connectés à nos bénédictions. To see how elements are connected to our blessings. Comment les cieux doivent être ouverts sur nous. How the heavens have to be opened on us. Parce qu'en fait, les éléments de la nature, Dieu les a donnés pour être des bénédictions. Because the elements of nature, God gave them to be our blessings. Et Dieu m'apprend que ces éléments de la nature sont neutres. And God is teaching me that these elements of nature are neutral. Donc, tu peux les utiliser. The devil can use them. Ou toi, tu peux les utiliser. Or you can use them. Dieu dit à cause de l'alliance que tu as fait par ton sacrifice. God said because of the covenant made by your sacrifice. Le jour où toi aussi tu auras besoin. The day that you also be in need. Les cieux étaient témoins quand tu as donné. When you did it, the heavens were your witness. Les cieux étaient témoins quand tu as donné. The heaven was your witness when you gave. Il va appeler les cieux et les cieux vont suivre. He's going to call the heavens and they are going to open and they are going to give you the blessing. C'est souvent quand tu as peu. It's when it's likely when you have more or less. Ou tu penses que tu n'as rien. Or when you think you have nothing. Que c'est là où Dieu vient te donner. That is when God comes to give et you. Et quand Dieu vient en ce moment. And when He comes at that time. Au lieu de commencer à murmurer. Instead of murmuring. Encore demander. That you have asked again. Réfléchis et dis-toi. Think and say to yourself. Est-ce que c'est pas mon temps de visitation que Dieu a décidé pas son alliance pour visiter? Is it not my time of visitation that God has decided to visit me through this covenant? La veuve de Sarepta, il ne lui restait qu'un petit pour elle et son fils. Il mangeait ça, c'était pour mourir. The widow of Sarepta, she had just a little for her and her son. If they had, they would have just died. Le prophète a dit, donne-moi d'abord. And the prophet said, give it to me first. Elle a donné. And she gave it. La Bible dit qu'elle n'a jamais rien manqué. And the Bible says she never lacked anything. J'avais encore dit que ton sacrifice peut ne pas être nécessairement à l'église, mais envers quelqu'un qui souffre. I also say your sacrifice couldn't necessarily be for the church, but for someone who is suffering. Ou quand les circonstances te l'imposent. Or when circumstances do impose. Dans la vie, on veut toujours prendre des autres, on veut toujours gagner, mais on ne gagne pas toujours. In life, we always want to win, but we'll never win all the time. Il y a des moments où on doit donner. There are times we have to give. Et au temps fixé. And at a fixed moment, Dieu nous redonnera. God is going to give it back to us. Jésus a dit, ceux qui avaient faim, tu as donné à manger. Jesus said, those who were hungry, you gave them qui to drink. Qui avaient soif, tu as donné à those boire. Those who were thirsty, you gave them to drink. Qui étaient nus, tu as vêtu. Those who were naked, you clothed them. Qui étaient en prison, tu as visité. Those who are in prison, you visited them. Il dit que c'est à moi que tu as fait tout ça. He said, you did that all to me. Et d'autres qui ne l'avaient pas fait.
fait, il les a envoyés dans le feu de la géhenne. And those who didn't do it, he sent them to the hell, to hellfire. Ça veut dire que ce sont des choses qui tiennent au cœur de Dieu. It means that those are things that are dear to God's heart. On va continuer ce matin. We are going to continue this morning. Les attitudes et les qualités du sacrifice. Attitude and qualities of sacrifice. Allons d'abord dans le livre de Malachie. Let's go to Malachi. J'ai fait un bref résumé parce que ça fait deux semaines que. I did a brief resume. Summary. Malachie, chapitre 1. Malachi, chapter 1. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez maintenant Dieu pour qu'il ait pitié de vous. Verset 9. Vous recevra-t-il favorablement? Lequel de vous fermera les portes afin que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends point plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de vos mains ne me sont pas agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en mon honneur et on présente des offrandes pures. Car mon nom est grand parmi les nations. Mais vous dites, vous le profanez, la table de l'Éternel est souillée. Est-ce qu'elle rapporte, est-ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable? Il dit, quelle fatigue, et vous dédaignez. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infime. Ce sont les offrandes que vous faites. Dois-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit, soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Dans, si on a Amen. Plus de 10 attitudes de nos offrandes, we have more than 10 attitudes of our ce n'est pas de dire j'avais donné. It's not to say I gave. Mais quelles étaient les circonstances? What was the circumstances that quelle était ton attitude? What was your attitude? Souvenez-vous de la visitation de la sœur Nelly. Remember the visitation of Sister Nelly. Elle a dit aux anges, je vais à l'église tous les jours. She said, I go to church every day. Ça n'a rien changé. It changed nothing. Elle a dit, je prépare pour les serviteurs de Dieu. She said, I prepare for the people of God, the servants of God, and they didn't take her. Pourquoi? Why? Parce qu'après, elle-même a dit que même le peu qu'elle prépare là souvent, elle murmure en préparant. She said, because she said, why didn't they take her? Because even the little she prepared, she's always doing it in memory. Elle même l'a dit, quand she has said, she said, when I'm cooking, je murmure en préparant. I remember while cooking. C'était un choc pour moi. It was a shock mais for me. Mais elle était sincère. Then she was sincere. Les choses que j'aime avec elle, elle est sincère. What I like with her, she's very sincere. Donc tu comprends qu'il ne faut pas faire les choses juste pour faire. So you understand that you don't have to do this just for the mais for il faut que ton sacrifice soit agréable. Let your sacrifice be acceptable et to God. Et la base de tout, c'est l'état de ton cœur. And the base of everything is the state of your heart. C'est la base, de, c'est l'état de ton cœur. It's the state of your heart. Donc ici, Dieu dit d'abord que quand on donne un sacrifice, d'abord parce que son nom est grand. God says when you give a sacrifice, because his name is great. Parce qu'on doit le craindre. We have to fear him. Donc, ne donne pas un sacrifice avec le mépris. Don't give a sacrifice with spite. Que tu vas aller prendre la dernière chose qui traîne. That you want to take the last thing that is. Tu as congelé cette nourriture depuis un an. Toi-même, tu ne peux plus la manger. You have kept the food for 1 year. You yourself can't eat it. C'est ça que tu vas aller prendre pour venir dire à ton frère. À ma soeur, je t'ai apporté à manger. And that's what I want to tell your brother. I brought you something to eat. Il parle des sacrifices qui peuvent être impurs. They are talking about sacrifices that can be impure. Il dit, he says, nous avons souvent une attitude de mépriser la table. We always have a way of despising the table of God. Mais ce qui est bizarre, but what is funny, quand nous donnons aux êtres humains, when we give to human beings, pour avoir leur faveur, to have their favor, tu vas voir un directeur parce que tu veux un contrat, on fait beaucoup ça en Afrique. You go and see a director, they do that a lot in Africa because tu vas acheter you want le meilleur vin, you buy the best wine, tu vas emballer un bon cadeau, you are going to grab a good gift, parce que tu veux une faveur, because you want a favor from him. Et pourquoi maintenant c'est à l'église qu'on doit mépriser? Why is it at church we have to despise the things of God? Entre cette personne là à qui tu donnes le meilleur. Si Dieu décide de fermer la porte, Dieu va fermer la porte. Between the person you choose to give the best, if God decides to close the door, he's still going to close the door. Ne donne pas à Dieu ce qui est mauvais. Don't give to God that which is bad. Une bête aveugle, boiteuse, infirme. And the sheep. Il dit non, ne fais pas ça. That don't do that. En le faisant, tu fermes les portes. When you do that, you close the doors. En le faisant.
When you do that, tu viens allumer un vrai feu sur l'autel de l'Éternel. You come and raise the fourth altar of God. Et en le faisant, Dieu ne prend pas plaisir. And when you do that, God doesn't take pleasure in you. Il n'y aura pas de récompense. There's not going to be any reward for that. Parce qu'il dit que son nom est grand. Because he says his name is great. Quand tu donnes quelque chose, when you give something, donne en fonction de la grandeur de Dieu. Give in respect to the greatness of God that you know. Si tu as la révélation que Dieu est grand. If you have the revelation that God is great. Si tu sais que si ce n'était pas Dieu, tu ne serais pas au Canada. If you know that it's because, if not of God, you'll not be in Canada. Parce que tu es maintenant au Canada, tu manges bien, tu grossis. It's not because tu you're in Canada, you eat well, you are getting fatter, you are going to give to God anytime you need. The last that you have. La table de l'Éternel est souillée. The table of the Lord is soiled. Nous ne devons pas le faire. We don't have to do that. N'amenons pas ce qui est boiteux, ce qui n'est pas bon. Let us not bring to God that which is not good. Il dit même maudit soit le trompeur, donc celui qui trompe. And he says, curse is the one that is a deceiver. Souvenez-vous d'Ananias et de Saphira. Remember Ananias and Saphira. Ils sont venus mentir. They came and lied. Tout le monde vendait ce qu'il avait. Everybody was selling what he had, and they brought for everyone. Et ils sont morts. And they died. Donc on risque même la malédiction. So we even risk curses. Le pasteur, les gens ne pourraient pas savoir. The pastor may not know, people may not know. En ce moment de besoin, Dieu sait que tu as la solution. But at the time of need, God knows that you have the solution. Je bénis beaucoup Dieu pour Papa John. I thank God a lot for Papa John. On a pris ce local très cher. When we took this this location, it was so expensive. C'était difficile de payer. It was difficult to pay it. Et il a rencontré une prophétesse chez notre papa, comme je vous témoignais dimanche. And he met a prophétesse with our papa, as I always tell you. Qui lui dit vous êtes arrivé dans la terre. That you have entered your promised land. Mais là vous êtes arrivé, il y a des géants. But where you have come, there are giants. Et lui dit mais toi tu as la solution. He said that you have the solution. Mais toi tu as la provision. But you have the provision. Il est rentré à la maison. And he came back to the house. Il a expliqué tout ça. And he explained everything. Et j'ai vu le courage et la force. And I saw courage and strength. Pendant des années que for Dieu years that God gave him. Il a tout mis de côté. He put everything aside. Il voulait acheter plus de compagnons pour camions pour sa compagnie. He wanted to buy more lorries for his more trucks for his company. Il m'a dit je vais d'abord laisser. He said no, I'm going to put that aside first. Parce qu'on doit d'abord s'assurer que la maison de l'Éternel est bâtie. Because I want to make sure that the house of the Lord is built. Je le voyais travailler dur. I saw him working very hard. Overtime, fait des heures supplémentaires. Il quittait à 2h du matin. He left at 2 a.m. in the morning. Il revient à 20h21. He comes at 8 p.m. 9 p.m. Il dort à peine 5h. He sleeps maximum maybe 5 hours. À 2h, je le vois se lever sortir. 2 a.m. dans le froid du Canada. In the cold of Canada. Parce qu'il voulait s'assurer d'en avoir assez pour nous et assez pour l'église. Because he wanted to make sure that there will be enough for us and enough for the church. Parce que quand vous me voyez là chez nous, je suis consommatrice. Because as you see me, I don't bring anything. I'm just a consumer. Since I was married, I never bring. Je n'ai jamais rien apporté. I never brought anything. Toutes les factures, c'est lui qui paye. All the bills is the one paying. Même la nourriture, il me donne l'argent. Even food, he gives me money. Donc moi, je consomme seulement. So I'm just there to consume. Je ne produis rien. I don't produce anything. Et les petits reliquats que je peux avoir, il me laisse seulement pour faire mes missions. And the small thing I can have, you just say, allow me to do use it for my mission. Hallelujah. Amen. Donc c'est un exemple de quand tu comprends ce que le Seigneur veut. So it's an example to understand if you know what God is talking quand about. Quand tu vois le besoin de Dieu. If you see the need of God. Et tu te sacrifies pour ça. And you sacrifice yourself for that. Et tu te sacrifies pour and ça. You sacrifice yourself for that. Toujours dans nos attitudes dans les sacrifices. Every time, always in our attitude of sacrifice. Il y a des hommes qui ont l'habitude d'empêcher leurs femmes de donner. There are some men who stop or hinder their wives from giving. Il y a des femmes qui aiment dire à leur mari de ne pas donner. There are some women who like to tell their husband not to give. Il y a des femmes ou des maris pour donner, ils doivent se cacher pour donner. For some, they have to hide before they give. Ils doivent se cacher. They have to hide before. Parce they que give. Si c'est lève pour donner, le mari va. Je sais même pas s'ils vont arriver à la maison avant qu'ils commencent à la taper. Because maybe if they give, maybe you start beating them before they get to the house. Pourquoi? Why? Amen. Amen. Pourquoi? Why? Si moi j'avais empêché mon mari de donner, on serait plus ici. If I stole my husband not to give, we'll not be here today. Et c'était pas les 50-100 dollars. It was not $50-100. Il y a des mois c'était $3,000. Some months were $3,000. Il y avait des mois c'était $2,000. Some were $2,000. Il y avait des mois c'était $3,500. Some were $3,500. Quelle femme ici au Québec va laisser son mari prendre? Which woman here in Québec will allow the husband to take money like that? $3,000, $4,000 pour venir payer l'église. $3,000, $4,000 pour payer l'église. Montre-moi cette femme ici au Québec. Show me that woman here. Je suis presque sûr que je suis l'unique et but je I'm suis sure la seule. But I'm the only one and I'm unique. Je vous vois souvent, même 50 dollars, même que le mari regarde. The way the husband is looking. Je la vois souvent, elle voulait se lever, mais. I just see she wanted to stand, but. Ses fesses descendaient tout seul. The buttocks is just going back to sit on the chair. Tu empêches ton mari de donner plus. Stop your husband from giving to the est-ce qu'il va donner à une prostituée dehors? Is he going to give to the est-ce qu'il va donner à une maîtresse? Is he going to give to the n'est-ce pas qu'il va donner à Dieu? Is he not going to give to God? C'est ce même Dieu là que si demain tu es malade, peut-être c'est ce sacrifice que Dieu va utiliser pour is te guérir. Is that same God that if you are sick tomorrow, you can use that sacrifice?
sacrifice to heal you. Amen. 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 Tu ne sais pas. You don't know. Il y a des femmes, elles vont donner, mais demain c'est le mari qui va avoir une promotion au travail. Alors que ce jour-là, il n'a pas donné. Mais Dieu va honorer le sacrifice de la femme. There are some women that they are going to give that the husband didn't give that day, and the husband gets promoted. Maybe they didn't sacrifice. N'empêche pas ton mari de donner. Don't stop your husband from giving. Si le budget vous permet. If the budget n'empêche pas ta femme de donner. Don't stop your wife from giving. Il y a des sacrifices que mon mari a déjà fait, c'est moi qui ai récolté. There are some sacrifices that my husband did, and who reaped the fruit. Il y a des sacrifices que j'ai fait, c'est lui qui a récolté. There are some sacrifices that I made, and he's the one who took the fruit. Je lui ai dit ta bénédiction là, c'est moi. Hein. I told him that your blessing is me. Lui aussi m'a dit la bénédiction là, c'est moi. And he also told me this, your blessing is me. Tant que tu donnes pour Dieu, je ne peux pas empêcher. As you give to God, I can never même stop. Même mes enfants, je ne peux pas. I cannot tell them not to give to God. Hallelujah. Amen. C'est aussi notre attitude qu'on doit changer. It's also an attitude that we have to change. Si en cette saison ta femme a été touchée de donner, tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain, laisse-la donner. If in this season your wife has been touched to give, leave her. You don't know what will happen. Et vice versa. And vice versa. Amen. On voit que ça doit être des sacrifices de bonne odeur, agréable. Dieu doit prendre plaisir à cela. It has to be sacrifices that are pleasing to God. Et Dieu doit les accepter. And he has to accept them. Et tu dois donner, mais tu dois donner à Dieu le meilleur. You have to give, and you have to give the best to God. Il a accepté le sacrifice d'Abel par rapport à Caïn parce qu'il a donné le premier de ses troupeaux. He accepted les prémices de ses troupeaux. He accepted the gift of Abel because he gave the first fruit of his flock. Et c'était un sacrifice de sang qu'il a donné. It was a sacrifice of blood that he gave. Amen. Lévitique 25:9 dit. Leviticus chapter 29 verse. C'est une chose sainte. It is a thing that is holy. On ne le changera pas. We will never change it. On ne mettra pas un à la place du bon. We are not going to put one in the place of the other. Ce que tu as résolu de donner à Dieu, donne à Dieu. What you have resolved to give to God, give to God. Si c'est 1000, donne à Dieu. If it's 1000, give to si God. Si c'est une demi-journée, venez à l'église, donne à if Dieu. If it's a half day to come to church, give it to God. Ne dis pas, je voulais donner à Dieu toute une journée, mais je vais réduire. 2 heures de temps. Don't say I wanted to give a whole day to God, but I'm going to reduce 2 hours because. Parce que the bold and beautiful are trying to pass. Because bold and beautiful is going. The beauty and the beast. Bold and beautiful. Alors la Bible dit 10. Let's go to Luke chapter 17. Joshua me dit, maman, depuis que je suis mature, regarde cette série, ça ne finit jamais. Joshua is asking, ma since I'm boy, I've been watching that series. Doesn't it finish? Amen. Luc 17:10. Luc 17:10. Une autre attitude dans nos sacrifices. Another attitude in our sacrifices. Vous de même quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. And you when you have done everything that you have been asked. Dites nous sommes des serviteurs inutiles. Say we are servants that are useless. Nous avons fait ce que nous devions faire. We have done what we are supposed to do. Parce qu'il commence en disant. Si tu es un serviteur, verset 7. Because say when you have a servant, qui laboure et qui paie son troupeau, who is laboring and taking care of the sheep, quand le maître va rentrer, when the master is going to come back des champs, from the farm, est-ce qu'il va dire au serviteur, hey, viens vite, approche-toi, mets-toi à table avec moi qu'on mange? Is he going to say, come fast and come to the table, let's eat? Ne lui dira-t-il pas au contraire? Will he not going to, is he not going to say to him, contrary? Prépare-moi à manger. Prepare to, for me to eat. Serve-moi. Serve me. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Until when I've eaten and drank. Après cela, and after that, tu mangeras et boiras. You are going to eat and drink. Et le Seigneur Jésus lui-même pose la question. And the Lord Jesus himself is asking the question. Est-ce que le maître doit de la reconnaissance à ses serviteurs? Does the master owe any recompense for this servant? Parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Because done what was ordered to him. Vous de même quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. You the same way you have done everything that was commanded to you. Dites. Say, nous sommes des serviteurs inutiles. We are servants that are useless. Nous avons fait ce que nous devions. We have done what we ought to have done. Voilà une autre attitude de sacrifice. That's also an attitude of sacrifice. Souvent on aime être adoré. At times we love to be worshipped. On aime être acclamé. We have to be, we want to be applauded. On aime recevoir les honneurs. We want to receive honors. Parce qu'on a donné un verre de jus ou une bouteille de because, quoi. Because we gave a glass of juice or j'ai donné ceci, on ne m'a pas dit oh, merci. I gave this and they never told me thank you. On ne m'a pas dit merci. They didn't tell me thank you. J'ai une nouvelle pour toi aujourd'hui. I have a news for you this morning. Moi-même là où je suis là. Where I am myself. Avec ce que Dieu m'amène à faire pour lui. With all that God is taking me to do for him. Je n'entends pas souvent merci. I don't even hear thank you. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas reconnaissant. It doesn't mean that God is ungrateful. Dieu est reconnaissant. God is grateful. Et Hébreux 10 le dit. Hébreux chapitre 10 says that. Dieu est reconnaissant. God is grateful. Je pense que tout le monde doit être reconnaissant. I think that everyone should be grateful. Mais on ne doit pas non plus passer la journée. But we don't have to spend the day.
à verser les pétales de fleurs par terre pour te dire merci. Spreading flowers to tell you thank you. Parce que nous n'avons fait que ce qui nous est Because we did just that which we were supposed to do. Parce que mes journées c'est aya merci. It's not because aya merci. Aya merci. Aya merci. Where aya merci. Aya merci. Aya merci. Aya merci. Aya thank you. Amen. Amen. Si mon fils dit demain j'ai joué au piano, m'a pas dit merci. Tu vas le juger. Dieu lui a donné le don de piano. God gave him the gift to play the piano. C'est une obligation pour lui. It is an obligation for him. Il est obligé de jouer au piano. He's obliged to play. M'a pas dit merci dedans ses copains. My only of time. C'est moi qui lui ai donné le don. Am I the one giving the gift? C'est moi qui ai donné le don. Am I the one giving the gift? No. No. C'est moi qui lui ai dit de venir à l'église. Am I the one asking him to come and play? No. He came by me that when I came, when you came from Britain, did I even know you? Did I call you to come and play? Il ne fait que ce que Dieu lui a ordonné de faire. He just doing what God ordered him to do. Même si Dieu n'a pas ouvert le ciel pour dire Aya, joue au piano, mais quand Dieu lui a donné le don, c'était pour lui dire joue au piano. Even though God didn't open the heaven and say Aya, play the piano, but God gave him the gift to play. C'est l'exemple que je prends. It's an example I'm giving. Il ne fait que ce que Dieu lui a ordonné de faire. So he just doing what God ordered him to do. À travers les dons que Dieu a mis dans sa vie. Through the gifts that God has put in his life. Maintenant, Jésus pose la question. Now Jesus is asking. Il y a le maître, il y a le serviteur. There's a master, there's a servant. Si le serviteur travaille, if the servant works, le maître rentre maintenant. The master comes back. Si le serviteur en train de transpirer, if you see the servant sweating, jusqu'à until, le maître va seulement s'asseoir pour finir de transpirer, m'apporter à manger. Food to eat. Et il doit lui apporter à manger. And he has to bring him food to eat. Mais je te vois, le matin. This morning, comme tu vois. Ah, as you see, no. On ne reste pas là qu'on va t'adorer. Don't say that we are going to worship God. La Bible dit considère que tu es un serviteur. The Bible says you consider yourself a useless. Moi, c'est avec ça que je fonctionne. That is what I work. C'est pour ça que je ne me souviens même pas de ce que je fais. That is why I don't remember what I do. Que ce soit pour Dieu, be it for God, que ce soit pour les gens, or for people. Parce qu'en fin de journée, je suis inutile. I'm just a useless servant. Si ce n'était pas moi, Dieu allait prendre quelqu'un. If it was not me, God would have used somebody else. Si j'avais refusé de répondre à l'appel, if I refused to answer the call, Dieu allait prendre quelqu'un. God would have taken another person. Et je peux te dire qu'il y a des fois, même quand durant le ministère, c'est difficile. And I can tell you that even times when the ministry is difficult. C'est dur, it's difficult, et que je veux me retirer. And I want to draw back. Je sens un regard au ciel. I just feel a look from heaven. Qui me dit ne crois pas que tu es irremplaçable. That don't think that you are irreplaceable. Quand j'ai souffert comme ça au Nigeria. When I suffered like that in Nigeria. Souffert. I suffered. Chat, pardon, chat. I said, Papa John, please look for my face. Look for my ticket. This time around, I'm coming back. Il a essayé de me parler. He tried to speak to je me. Lui ai dit que non. I said no. C'est trop. It's too much. Je vais partir. I want to go. Après je suis resté. After I stayed back. Dans mon cœur, I heard in my heart the witness of the spirit. Il me dit que tu vas partir. That you ought to go. Tu vas partir où? Where are you going to? Qui t'a dit que le chemin que j'avais mis était un chemin? Who told you the road I set for you was an easy road? Quand tu es sorti de la salle d'opération, qu'est-ce que tu m'as dit? When you came out from the operation room, what did you tell me? Quand même tu entrais, donc tu me flattais que oh Seigneur, so je vais te servir sans condition. When you entered that Lord, I'm going to serve you without condition. Qu'est-ce que tu te souviens de ce que tu avais dit? Do you remember what you said? Moi-même, je suis resté comme ça. And I stayed like this. J'entends la voix qui me dit. I hear the voice saying to me. Tu es venu pour cet homme de Dieu qui te rend la vie difficile ou tu es venu pour moi? You came for this man of God who is making life difficult for you or you came for me? Okay, toutes les âmes que j'ai destinées, que tu allais apporter quelque chose à leur vie. Okay, all the souls that I've destined, you're going to bring something into their lives. Les âmes qui allaient être sauvées. The ones who have to be healed. The ones who have to be saved. By your ministry. Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? What are you going to do with them? Et si demain ils seront, ils ne sont pas sauvés. And if tomorrow they are not saved, vas-tu rendre compte à l'Éternel? Are you going to give account? Moi, cette question-là me hante tout. Those questions they always haunt me. Avant de faire quelque chose, je pose toujours les risques. Before je pose la question. Before I do something, I always ask the question. Quand ça implique les personnes. When it involves people. Je dis si je ne le fais pas, et cette personne manque l'Éternel. If I don't do it, and this person misses the eternity, will I be able to give an account to God? À cause de ça. Because of that. J'ai annulé mon retour. I cancelled my coming back before time. Parti devant mon Dieu. And I asked God to repent before God. Je vais y aller. I said Lord, I'm going to même go. Si je dois, même si je dois mourir affamé. Even if I have to die or si je ne dois pas manger, pas de problème. If I don't have to eat, no problem. Je vais supporter les humeurs de ce monsieur là. I'm going to withstand all his treats jusqu'à ce que je parte. Until when I leave. Et à partir de là. And from that time, la puissance qui m'accompagnait au Nigeria. The power that accompanied me in Nigeria. Les églises où je passais. The churches where I went. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas beaucoup ici. I don't know why it doesn't happen here. Qu'est-ce que vous avez dans vos cœurs contre moi? I don't know what you have against me. Mais quand je suis à l'extérieur, when I'm outside, I'm a different person. Moi-même, des fois, je me reconnais pas. I myself, I don't recognize. Quand je regarde les vidéos, je dis c'est moi. When I see video, is that me? C'était grave après ça. It was horrible. Terrible. It was terrible what was happening. Les gens venaient, tu m'as guéri. Quand tu m'as touché, quand tu as fait ceci, je regardais. I was looking at them. Je dis ah bon? I said so. C'était
C'était partout. It was everywhere. Amen. Amen. Donc je sais pas ce que vous m'avez fait. I don't know what you have done for to me. Quand je arrive dans mon champ missionnaire. Then when I arrive my missionary field. Je suis une autre personne. Amen. Different person. The spirit of God. Dieu m'a utilisé puissant. God has used me powerfully. En redécollant quand je quittais le Nigeria. And when I was going back from Nigeria. Oui, émotionnellement, j'étais blessée. Emotionally, I was broken. De toutes les souffrances que j'avais vécues. Because of all the sufferings I went through. Mais spirituellement, j'avais monté un échelon avec Dieu. Spiritually, I had gone one step further. Spirituellement, j'avais la paix parce que j'avais accompli. Spiritually, I had peace because I accomplished a mission of God. Peu importe le prix que ça va te coûter. No matter the price it's going to cost you. N'attends pas qu'on vienne te féliciter. So whether they should come and congratulate you. Ne quitte pas l'église parce que depuis que je fais ce que je fais, je ne suis pas ici. Since you have been doing this, never que tu n'es qu'un serviteur. Know that you are just a useless servant. Si le jour tu pars, tu vas être remplacé. They say that you go, you are going to be replaced. Le jour tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. They say you don't want to answer God's call, you're going to take someone else. Comme ça que Elie a constitué. That is how Elie's cut short is called. Elijah. Elijah. Comme ça que Elie a constitué son appel. That is why cut short is called. Oh, ils ont tué des prophètes. Oh, they have killed all the prophets. Oh, ils m'ont fait ceci. Oh, they have done this. Oh, je suis resté. Oh, I've said alone. On va me tuer. Oh, they are going to kill me. Qu'est-ce que tu fais ici, Elie? What are you doing, Elijah? On lui donne à manger. They gave him to eat. Prends bois. Take and drink. Lève-toi, marche. Lift up le chemin est long. The way is long. Il s'arrête encore. And he starts again. Oh, done this to me. Ah bon? So, mais il n'était pas le seul. But he was not the only one. Abdias était là. Abdias was Abdias récupérait les prophètes qu'il a cachés dans la caverne. He was. Donc il n'était pas le seul à souffrir. Not the only one that was suffering. Ne pense pas que tu es le seul. Don't think you're the only one. Ne pense pas que tu es super important. Don't think that you're super important. Le jour où tu pars, Dieu va envoyer cette personne. Peut-être que God is going to send someone else. Peut-être qu'ils seront encore plus qualifiés. Why are you going to be more qualified than you? Toujours, je suis un serviteur. Always say I'm a useless servant. N'attends pas les honneurs. Don't wait for honors. Matthieu 6 nous le dit. Matthew 6 says. Lisons bien Matthieu 6. Let's read Matthew 6. Ça m'a pris longtemps pour comprendre ça. It took me a long time to understand. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verse 2 of Matthew 6. Matthew 6, verse 2. Lorsque tu fais une aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme ils le font les hypocrites dans les synagogues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verse 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui prient debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Ça m'a pris longtemps, mais j'en fais compris. It took me so long, but I finally understood this passage. Quand tu fais un sacrifice, when you make a sacrifice, que ce soit spirituel, be it spiritual or physical, n'attends pas la gloire des hommes. Don't always wait for the glory of men. N'attends même pas les merci. Don't even wait for the thank you of men. Because when I come here, God has called us. Tant que j'ai le souffle de vie. So long as I have the bread of life, et que je suis à Montréal, and that I'm in Montreal, je dois venir faire mon ministère. I have to come and do my ministry. Que je sois contente ou pas. Whether I'm happy or not. On ne peut insulter ou pas. Whether they insulted me or not. Fait des coups ou pas. Whether they did complain or je not. Je dois être ici. But I have to be here. Parce que c'est ce que tu me demandes. Because that's what God asked me to do. Et je ne demande pas de merci. And I don't ask for mercy. Il thank you from God. He's going to écoute bien. Listen very well. Et dis, lorsque tu fais le monde. That when you make your arms. Lorsque tu fais quelque chose. When you do something. Et que tu veux que les hommes te glorifient. And I want men to glorify you. Tu sonnes la trompette. You sound the trumpet. Oh, tu vois sa robe là, c'est moi qui lui avais donné. Oh, you see that gown? I'm the one gave it to her. Oh, c'est moi qui lui avais donné les chaussures. I'm the one gave him that shoes. Regarde comment il me parle aujourd'hui. See, he's talking to me. Tu es en train de sonner la trompette. You are sounding the trumpet. Tu es en train d'attirer les regards des hommes. You are calling for the attraction of men. Ah bon, c'est toi qui as donné. Oh, so you are the one gave. Hey, tu as un bon cœur. Oh, you have a good heart. Oh, mais je suis dans cette église. Yes, I'm in this church. Je donne toujours. I always même comme si on ne me dit pas merci. People, they don't tell me thank you. Qu'est-ce qui vient de what else happened? L'homme vient de te glorifier. Man just glorified you. So, wow. Wow. Tu donnes. You give. Tu fais ceci. You do this. La Bible déclare ici. The Bible declares that. C'est déjà ça ta récompense. That is already your reward. Est-ce que quelqu'un a compris? Is somebody understand what I'm saying? Est-ce que quelqu'un a compris? Is somebody understand? Ça m'a mis du temps pour comprendre. Pourquoi tu fais so much time to understand? Donc le wow déjà. So the wow. Ah, tel frère est gentil. Oh, this brother is gentil. Oh, vraiment dans cette église. Yeah, il donne tout le monde. He's always on ne le remercie jamais. Oh, il donne. Oh, il gives. Ça l'a déjà. So wow, wow, wow. Wow, 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 wow. C'est déjà la récompense.
recompense. That is already your reward. C'est ça que la Bible dit. That is what the Bible says. Tu es en train d'être que les hommes te glorifient. Men are glorifying you. Et tu reçois déjà ta récompense. And then you already receiving your reward. Et il n'y a pas une autre que Dieu te donnera. And there is no other one God is going to. Que les hommes ne te glorifient pas, mais laisse Dieu connaître ce allow que tu as fait. Allow them not to glorify, but let God know what you have done. Que Dieu sache ce que tu as let fait. Let God know what you have done. Et laisse que lui-même te récompense. And allow him to reward you. Il dit tout ce que tu fais pour être vu. That everything that you do to be il seen. Il répète encore. He repeats again. Pour être vu par les hommes. To be seen by men. Je vous le dis en vérité. I tell you in truth. Ils reçoivent leur récompense. They shall receive their reward. Quelle récompense? Which reward? La gloire que les hommes. The glory that men give. The woo. Les applaudissements. The clapping. Si tu vous comme le. Oh, le chien qui envoie. C'est déjà ta récompense. That is already your reward. Dieu ne t'en donnera plus. God is not going to give you another reward. Seigneur, je me répands. Say Lord, I repent. Toutes les fois, all the times, où j'ai fait des choses, that I did things, j'en ai parlé, and I spoke about them, pour attirer la compassion des gens, to attract the compassion of people, pour attirer leurs félicitations, to bring their congratulations, pour attirer leur gloire, to attract their glory. Père, je te demande pardon. Lord, I ask you to forgive. J'annule ces actions là. I cancel those actions par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Et j'attends ta récompense. And I wait for your reward. Vient de toi. That comes from you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Et me faisons attention. C'est des petits détails. Below, let's be careful. Let's be very careful. Je vais clôturer et puis on va passer à Jéricho. On va clôturer Jéricho. We are going to stop and we are going to continue with Jericho. We are going to finish Jericho this morning. Je pense que je vais arrêter. Je vais mettre ça dans le bout de dimanche prochain. I'm going to stop. It's already midday, almost midday 30. On doit clôturer. And we have to close Jericho. Amen. Amen. Okay, à la Sainte-Sainte aussi. Voilà. And we also have the Holy Communion. Donc on va arrêter là. We are going to stop.